n'y a pas de petite victoire. Donc pour moi, que tu gagnes contre une équipe de région, de département ou de nation, pour moi ça revient au même. Le principal en Coupe de France, c'est d'enchaîner, c'est de monter une marche. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à redire. L'utilisation du ballon a été bonne, l'adversaire a joué très très bas, donc ce qui fait que ça t'enlève énormément de profondeur dans le jeu. On aurait pu faire tourner encore davantage, mais le fait d'avoir joué seulement 45 minutes le week-end dernier nous a obligé quand même à ne pas tomber dans du 100% de roulement. Mais voilà, il y avait un peu de jeunesse, un peu d'expérience, donc c'est une bonne après-midi. À l'image de ce qu'on a fait aujourd'hui, de toute façon, au premier mi-temps, on avait demandé certaines choses, on avait imaginé un scénario qui n'était pas loin d'être le cas à la mi-temps. Quoi. Malheureusement, on prend un but sur coup de pied arrêté. Mais après, dans les attitudes, dans le replacement défensif, dans la cohérence collective, c'était vraiment bien. Quoi. En deuxième mi-temps, on a continué, on n'était pas trop marqué physiquement, on a continué. Et malheureusement, à la fin de match, le deuxième cloue un peu le match. Mais ce qui nous a manqué principalement aujourd'hui, c'est pas l'énergie collective, c'est pas la forme physique, c'est l'aspect technique, quoi. Le petit brin de folie technique. Il y a une certaine fierté d'avoir fait un match comme ça, une bonne opposition, saine, sans commettre trop de fautes, des bonnes attitudes. Maintenant, il faut continuer à bosser. Je nous ai dit de prendre ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration. Comme on a pu voir sur le terrain, on a marqué en première mi-temps. On est resté concentré jusqu'à marquer le deuxième but qui nous a mis un peu à l'abri. On a su garder le score, on a géré. C'est un mi-pointu mais enroulé parce que le ballon il tourlait un peu parce qu'il a rentré doucement quand même. L'entrée de la surface. Ouais, l'entrée de la surface. Je fais un appel à Rémi met le ballon, je contrôle, je frappe du pied gauche, le ballon il rentre. Tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. C'est le premier but avec Carquefou. C'est vrai. Donc, j'espère que ce ne sera pas le dernier. J'espère marquer encore en championnat et pourquoi pas dans les prochains tours de Coupe de France. Ça fait 3-4 matchs et je me suis fait un peu mal à la cheville, je n'ai pas joué. Mais ça va parce qu'en fait, moi je découvre le championnat national, c'est pas un championnat facile, c'est un championnat physique, ça joue un peu moins au ballon qu'en Ligue 2. Mais ça va, je m'y mets, j'écoute mes coachs, j'écoute les anciens, j'essaie de donner le meilleur de moi-même.